Dans cette capsule copywriting, vous allez découvrir une façon très simple, très efficace et express de faire un bon titre de vidéo YouTube ou un bon titre d'email. C'est parti. Le titre, c'est un élément fondamental de votre business en ligne. Par exemple, la différence de taux de clic entre un titre d'email réussi ou un titre d'email raté peut être énorme et donc vous pouvez envoyer deux fois plus ou deux fois moins de personnes vers votre article avec un titre réussi ou raté. Et sur YouTube, c'est la même chose parce que lorsque les gens voient apparaître vos vidéos dans les vidéos suggérées sur le côté de leur écran, il n'y a que deux facteurs qui vont leur donner envie d'aller voir. 1. La vignette. 2. Le titre. Le copywriting peut être un super support pour améliorer vos titres avec cette stratégie. 3 ingrédients. Le premier ingrédient, c'est la durée. Le deuxième ingrédient, c'est le résultat. Et le troisième ingrédient, c'est la nitroglycérine, c'est-à-dire la petite touche de peps qui va rendre votre titre un peu plus attractif. Voici plusieurs exemples. Vous avez une chaîne YouTube qui parle d'investissement. Vous voulez expliquer aux gens comment est-ce qu'on fait pour sélectionner les bonnes actions à dividendes. Voici un exemple de titre. La durée, 10 minutes. Le résultat, choisir des actions à dividendes. Et le côté nitroglycérine, on va dire fiable comme une montre suisse. On joue le côté montre suisse, ça fait un peu banque suisse, donc c'est lié à l'argent, c'est intéressant. Et puis, les montres suisses sont réputées pour leur fiabilité. Donc, on remet tout ensemble et voici ce que ça donne. 10 minutes pour choisir des actions à dividendes aussi fiables qu'une montre suisse. Autre exemple, vous faites du coaching pour copywriter et vous voulez expliquer aux copywriters comment développer leur affaire. Dans notre exemple, la durée va être 1 an. Le résultat, ça va être construire un business de copywriting. Et enfin, le côté nitroglycérine, ça va être un montant. Donc, 50 000 euros par an. Voilà, un joli business de copywriting rentable. Eh bien, on recombine les trois éléments et ça nous donne comment construire en 1 an un business de copywriting à 50 000 euros de chiffre d'affaires. Ou alors, une variante, 365 jours pour construire un business de copywriting à 50 000 euros annuels. Troisième exemple, vous avez une chaîne YouTube sur le dressage de chiens et vous voulez parler de l'accueil du chiot. En particulier, comment mettre fin au pipi du chiot qui vous salope votre salon à longueur de journée. La durée ici, ça va être 3 semaines. Le résultat, c'est le pipi du chiot. Mais on va tourner ça en le mélangeant avec le côté nitroglycérine, en lui donnant un nom. Et on va appeler ça le programme Stop Pipi. Et bien, si vous recombinez les trois, vous avez le programme Stop Pipi, 2 points, 3 semaines pour avoir un chiot propre. Vous voyez, c'est super facile. Allez, je vous donne un dernier exemple et vous aurez tout compris. Vous avez une chaîne YouTube qui parle des relations familiales et vous donnez des conseils pour élever les ados. La durée, 7 minutes chrono. Le résultat, renouer le dialogue et la petite touche de nitroglycérine, c'est un adolescent en furie. Voilà, vous avez un ado qui fait une crise, comment est-ce que vous renouez le dialogue assez facilement? On recombine les trois éléments. Ado en furie, 2 points, renouer le dialogue en 7 minutes chrono. Vous voyez, c'est super simple. Et si vous voulez d'autres conseils de copywriting, rejoignez ma newsletter parce que vous recevrez un guide complet sur les titres. Et en plus de ça, vous recevrez par email des astuces marketing exclusives que je ne partage qu'avec mes abonnés. Le lien, vous le savez, est dans la description. Merci beaucoup et à bientôt.